Bonjour, c'est Emma de Koh Samui. Bonjour le reste du monde. Dimanche, avec un petit groupe de résidents, je participe à des randonnées sur les collines de Koh Samui. Nous parcourons entre 8 et 15 km environ. Il s'agit de personnes issues du monde entier. Alors c'est très agréable parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et aussi on a l'occasion de parler anglais. Alors c'est parti! Bonjour à tous, bonjour le reste du monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, avec un petit groupe de marcheurs, nous sommes 9 personnes. Nous avons pris un nouvel itinéraire au départ de Lamaï. C'est arrivé au 360 et l'objectif aujourd'hui, c'est de se diriger jusqu'à Lénam pour un nouveau chemin. Un petit groupe est rassemblé. Je vous propose de me suivre. Allez, c'est le début de l'aventure. On va traverser une forêt de bambous. Tom est en train d'expliquer que cette maison a été bâtie il y a une trentaine d'années. Alors Tom, c'est notre leader, c'est lui qui nous propose des itinéraires. Il y a le traceur GPS avec lui, alors on le suit les yeux fermés. Voilà, on a marché un petit kilomètre et on a déjà une très belle vue sur la baie de Bang Rak. Bang Rak, c'est un lieu de vie assez prisé par les résidents. C'est aussi là que se trouve l'aéroport et le Big Buddha. Aujourd'hui, le petit groupe est composé de 9 personnes. Il y a 3 Français avec moi, une Américaine, 1, 2, 3, 4 Thaïs et un Anglais. Dans la baie de la côte nord-est. À chaque intersection, on se pose des questions sur l'itinéraire à suivre, surtout quand on essaie un nouveau chemin. Alors je disais dans une précédente vidéo que les marches étaient l'occasion d'apprendre et à mieux parler anglais, mais pareillement, on peut aussi s'exercer à parler thaï. Que mot, c'est une façon de sociabiliser et ça prend beaucoup de temps pour se faire des habitiers en Thaïlande, justement à cause de ce barrage de la langue. Mais dès que vous apprenez quelques mots, les Thaïs sont vraiment reconnaissants et ils apprécient vraiment notre démarche. You want to tell us something? Koh Samui is amazing for living and visiting. Coming. Okay. We have sand, sea. Voilà une autre activité que l'on peut pratiquer ici. Congratulations, it's very hard. Yes, you do a good job. Toujours la baie de Bang Rak. C'est la côte nord-est. Et on continue. Ici, la végétation, c'est un verger de durian. On en voit à perte de vue sur Koh Samui. On voit aussi quelques bananes. De Koh Samui, elles sont un peu dans les nuages aujourd'hui. Là, le groupe s'est attardé à une armée de fourmis qui se déplacent en bloc. Sawadeka. Non, ce n'est pas un trampoline comme certains pourraient le penser. En fait, c'est une réserve d'eau. Les agriculteurs font ça maintenant. Alors, ils le couvrent pour pas que ce soit plein de feuilles et que l'eau devienne trouble. Toujours Tom qui recherche notre route. Il a prévu qu'on tourne à gauche quelque part, mais il est en train de chercher où.
Ici, on est un peu avancé. On est sur les hauteurs de Menam. Une carrière juste en face de nous. On se trouve à une hauteur d'environ 420 mètres d'altitude. C'est un EVA en fait, il récupère la sève pour en faire du caoutchouc. Il gratte légèrement et la sève sort. Là, il creuse un nouveau sillon sur celui-ci. Un petit bec berceur, un coco et c'est parti. We are here. Une jolie vallée devant nous qu'il va falloir descendre pour remonter. On va aller là-bas en face, si j'ai bien compris. Many elevations, so we turn round and go to there. Ouais, Tom essaie de nous expliquer quelle est la meilleure route à prendre. You can try this way if you want. Quelquefois, les chiens nous accompagnent sur une portion de terrain. Une fois, on a un lieu qui nous a suivi pratiquement toute la randonnée. Il était épuisé. La première mare qu'il a trouvée, il a plongé dedans et s'est rafraîchi un long moment. On aime beaucoup quand ça monte parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir derrière. Comme là, ce petit sala. Sala, c'est une terrasse couverte. Comme ça, et ça sert à se mettre à l'abri pour manger. Pour manger ou pour faire la sieste. Ici, ce sont des mangoustiers. On trouve à Koh Samui en juillet jusqu'à mi-août à peu près. Vous voyez, quand on arrive là, vraiment, on se dit mais quelle chance nous avons de pouvoir apprécier un tel paysage. La plupart des gens qui viennent à Koh Samui ne connaîtront jamais la beauté de ce lieu. Watch out. On est sur la baie au-dessus de Menam. Globalement, on a une dizaine d'itinéraires que l'on pratique en suivant Tom. Et aujourd'hui, on en explore une nouvelle, en tout cas pour partie nouvelle. C'est la partie qu'on vient de faire. Et ici, on rejoint un itinéraire que l'on connaît déjà. En fait, quand on reste sur la plage à Koh Samui, on n'imagine pas du tout à quel point la nature au centre de l'île est belle. Et moi-même, jusqu'à il y a peu, j'imaginais pas à quel point il était possible de faire de la randonnée sans prendre de risques. Je suis vraiment contente d'avoir rejoint ce groupe. La semaine prochaine, ça fera un an que je fais de la randonnée ici. Vidéo, ces randonnées nous permettent aussi d'améliorer notre anglais en parlant avec des natifs. Ici Tom vient d'Angleterre et à sa droite Kimberley qui vient des États-Unis. Donc ça nous permet d'entendre des intonations différentes et puis d'améliorer notre conversation. Thank you.
way. Jolie vue. Alors c'était 400 mètres et un dénivelé de 250. Voilà la Thaïlande accueillante. Bye bye everybody, thank you very much for today. Bye bye. Voilà, je suis de retour à la maison. C'était vraiment une très belle balade. Nous avons marché environ 4 heures, parcouru 8,5 km avec environ 420 mètres de dénivelé. Et je vous invite à me suivre et à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si le rythme vous convient. J'ai essayé d'alterner des passages un peu rapides, des paysages. Merci de me suivre. À bientôt.